Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là? Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Konté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même porter les vestes, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir, il refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment. Ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas, et puis nous on suit. On suit, on va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète, les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il y a que les Noirs qui, partout, sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Et les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel, demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment même les choses que vous copiez chez les Blancs, vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le troisième mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là, vous êtes parti copier là-bas. Vous avez entendu qu'il y a le troisième mandat. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses, il renverse ça avec la couleur de sa peau.